Salut les amis, nouvelle vidéo Gretton du jour. Donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que j'étais sur l'ours et celui-ci m'a franchement fait galérer. Là j'en ai tué, j'ai dû en tuer environ 2100 pour faire celui-ci. Donc je suis reparti sur l'ours malgré le fait que je les ai tous, tout simplement parce que de toute façon j'ai tous les Gretton de toutes les espèces. Le seul qui me manque à la limite ce serait le Gretton Cerf de Virginie Pie, mais de tous les renseignements que j'ai pu glaner ici et là apparemment. C'est genre une chance sur 500 de l'avoir à peu près, parce qu'en fait c'est un Gretton Cerf de Virginie, mais le pie il a autant de chances de tomber que sur un pie sur un mâle classique. Donc si je dois faire 500 Gretton pour essayer d'avoir un pie, très honnêtement je le cherche plus. Hein. Donc j'attends le prochain Gret qui sortira peut-être un jour. Donc en attendant là, je m'étais reparti sur un ours. Là je pense qu'on va continuer un peu sur cerf de Virginie, d'un cerf élaphe, on va voir. Peut-être un peu de super rare. Mais là je pense que l'ours est probablement le dernier. On va voir ce que c'est. Alors au niveau du poids, 316-409, normalement c'est un glacier. Donc pour ce qui est des glaciers, si c'est bien ce que je pense, je les ai tous deux ou trois fois, je sais plus. Je crois que la tache blanche sur le ventre, je vais l'avoir deux fois, l'étoile sur le front deux ou trois fois, et celui avec l'écriture sur les pattes, je l'ai déjà trois fois. On va voir ce que c'est. J'ai pas l'impression d'avoir vu du blanc, donc ce serait probablement celui avec les griffures sur les pattes, ça serait le quatrième si c'est ça. Mais vu le poids, c'est pas un chestnut, vu le poids, ça c'est sûr. C'est bien celui-ci, c'est bien celui que je pensais. Donc celui-là, c'est mon quatrième comme ça. Bon, et ben je vous dis à bientôt.